Salut à tous. Comme d'habitude, aujourd'hui je viens vous présenter ma nouvelle activité. Voilà, c'est du recyclage encore. Voilà, j'ai un meuble comme ça. Vous avez vu ce meuble? Normalement, c'est un meuble pour mettre sous le lit des affaires, des jouets, des habits pour l'enfant et tout. Et comme j'en ai deux et que je n'ai plus besoin de ces meubles-là, je voudrais en faire une armoire tout avec des étagères dedans. Donc voilà, donc, ça c'est ma première idée. Et j'espère que je vais y arriver, parce que c'est l'idée que j'ai dans ma tête. Et on va le faire. Je vais chauffer mon pistolet à colle. Je vais essayer d'assembler tous les instruments, toutes les choses que j'aurais besoin pour fabriquer ce meuble là. Donc on va alors Lydia, allez go ma puce, allez go, allez go, 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 go.
Avec du papier, j'essaie de coller dessus. Ça sera mon point à moi. Voilà pour vous mon meuble. Vous avez vu, deux tiroirs superposés et ça me donne un meuble debout. Voilà, des idées comme ça qui arrivent comme ça. C'est facile à faire. C'est juste assembler deux tiroirs et donner la forme qu'on veut. Voilà. Et moi, j'ai mon coin à moi. Mon coin expo. Vous avez vu là-bas, j'ai mis une petite décoration donc, avec mon prénom L. Avec l'initiale de mon prénom, L. Regardez, L. Peut-être faire un tuto sur ça, comment faire la déco avec son propre prénom, en prenant une initiale. Voilà. Voilà, c'est des astuces qu'on peut partager aux gens
qui ont des meubles, des tiroirs qu'ils veulent mettre à la poubelle. S'ils sont encore en bon état, on peut les assembler, on peut en faire autre chose, leur donner une nouvelle vie. Donc voilà pour vous ma nouvelle activité. Et je vous fais un gros bisou et des coucou à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me mettre des commentaires. Ça m'aidera à pouvoir évoluer, à pouvoir m'améliorer. Merci d'avance. Bisous, bisous.